Voilà, extrêmement bon, ouais. Le fait que tout système financier soit devenu privé, le fait que des banques peuvent prêter plus d'argent qu'elles ont, et que ce système est uniquement basé sur la confiance. C'est-à-dire que demain, si tout le monde va retirer son argent en même temps dans les banques, il n'y aura pas assez. Parce que tout simplement pas, parce que les banques ont prêté plus que ce qu'elles ont. C'est le système des réserves fractionnelles. Ils peuvent prêter jusqu'à 9 fois plus et davantage. On a vu pendant la crise qu'ils ont prêté 9 fois plus. Donc, à partant de ce constat-là, pourquoi il n'y aurait pas des initiatives, des fonds de solidarité publique qui permettraient de prêter sur des critères sociaux à des personnes qui en ont vraiment besoin, à des taux à 0%. Vous êtes là alors pour faire passer ce message-là, c'est ça? On est là, je pense que le message est plus général. En fait, ce qui nous dérange de façon globale, c'est difficile de communiquer, ça, c'est vraiment le cas de tout le monde, mais c'est l'inégalité de la répartition des richesses. Ici, le mot, c'est les 99%. On parle des 99% qui ne sont pas les riches, et on essaye de voir comment on peut aller vers un monde qui n'est pas non paupérisé ou qui ne se paupérise pas comme maintenant, mais où il y aurait une répartition plus égalitaire. Et donc après, on a plein de débats sur le partage, qu'on n'est pas d'accord sur le partage. Et donc c'est très vaste en fait. Et là, ici, on est en train de discuter de la partie, essayer de discuter de partir plus financier, mais l'inégalité des parties, justement, vous parlez de l'aspect financier, c'est pour ça que vous avez choisi la défense. Ça participe, parce que c'est là que vous avez tous les grandes multinationales Comment vous avez choisi de parler de finances? Oui, chacun a des propositions, on essaie juste de débattre de la viabilité de ces propositions et surtout des conséquences qu'elles pourraient avoir si jamais elles seraient appliquées. Je pense que c'est un débat surtout pour chercher des propositions. Personne ne peut arriver et dire on a les propositions pour rendre un système financier plus juste et plus équitable. Je pense que le mouvement d'intérêt, les indignés, se caractérisent par le débat public. C'est vraiment ça ce qu'on essaie de faire, l'agora publique. On trouvera des solutions tous ensemble. Tout à fait. Parce que c'est une agora publique qu'on essaye de créer, de mettre en place et surtout de perdurer. C'est des assemblées citoyennes. Merci. L'objectif, c'est aussi de c'est symbolique d'être ici, un peu comme un. Ouais. C'est symbolique d'être ici à la Défense. On est pour l'instant un petit groupe entre guillemets, mais on est un peu comme un autocollant sur un distributeur bancaire. C'est symbolique et on a juste envie que certaines questions se posent, que nous on se pose des questions et on veut que les gens se posent les mêmes questions. On aimerait qu'un débat se crée, pas uniquement ici. L'Agora ne se situe pas uniquement ici à la Défense, mais partout. Il faut que les gens prennent conscience. Et dans Paris. Et si nous, on peut être ici un symbole pour rappeler aux gens qu'il y a un débat, qu'un débat doit avoir lieu, on aura gagné. Et c'est simple. Excusez-moi, est-ce que l'idée, c'est de tenir dans la durée? On l'espère. Oui, on l'espère. Bien sûr, on est là. Ça, c'est l'idée. Non, je tweet. Le mouvement, il date du mois de mai. Je tweet. Déjà dans la durée. D'accord. C'est pas super. Le mouvement, il commence pas à la Défense. Il commence le 15 mai. On est déjà dans la durée. C'est ça qui est intéressant. On veut perdurer. C'est pas un mouvement. Il reste jusqu'en 2020. On verra. C'est quoi les solutions pour un système d'alimentaire?